Je pense que c'est un vent qui souffle vers le sud et je pense que tous ces régimes-là sont appelés à changer. Liberté, démocratie en Algérie. Manifestation de solidarité avec le peuple algérien en lutte samedi matin à Toulouse. 70 personnes se sont rendues devant le consulat d'Algérie pour crier leur colère et réclamer un changement de système. Nous revendiquons des élections libres, nous revendiquons un observatoire de la corruption et ce que nous revendiquons surtout, c'est tout l'argent qui a été détourné en Algérie par la corruption soit rendu au peuple algérien. C'est vrai que le système a essayé de jouer la carte en disant que ce n'est pas nous, c'est les intégristes. C'est faux, ce langage ne tient plus debout. Donc on veut ni des intégristes, ni de ces militaires, ni de ce pouvoir qui est installé depuis 1962. Devant le consulat, tout le monde n'était pas d'accord avec les manifestants. Certains Algériens dénonçaient le rôle de l'opposition dans le soulèvement actuel. Normalement, cette révolution, c'est tout le peuple algérien sans parti politique. Un seul parti, c'est l'Algérie. Près de 12 000 Algériens vivent en Midi-Pyrénées.